C'est tout le monde, je regarde sur plein de programmes, mais toujours sur Sif. Et ben rien que dire à part. C'est reparti pour une autre série de cambriolages. Oula, ils ont pas l'air contents. À mon avis, ça va pas tarder à péter méchamment. Mort au chien du barreau! La révolution est en marche! La cité doit se préparer à une nouvelle aube! Bonne nuit, les cafards! Je crois que les fervents sont devenus fous. Ils s'attaquent à tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Moi inclus, je préfère éviter la confrontation. Oui, je suis bien d'accord. Alors, attendez. Bassos est tout là-bas, donc... Ouais. Donc, on va faire une ellipse le temps que j'aille voir mon marchand. C'est quoi ça? Il peut faire un... Tiens, faudrait que j'aille voir Hector aussi pour voir s'il peut faire des trucs particuliers pour moi. Et ça, c'était dérobé. Attendez, c'est quoi ça? C'est... Ah oui, d'accord. Ça, c'est... Le testament... Ouais, bon, dans les quêtes secondaires, je ferai ça hors vidéo. On va peut-être... Non, bon. Là, je vais juste faire une ellipse, le temps de passer voir les marchands, acheter des améliorations, et on se retrouve quand je verrai Bassos, à toutes. Et on se retrouve après un petit interlude durant lequel j'ai fait un ou deux petits cambriolages supplémentaires sans grand intérêt. Et je suis allé acheter du matos avec ce fric. Juste là, ok, et comme vous pouvez le voir aussi, Garrett a désarmé un pansement sur la main. Ça doit être... Non, c'est pas dans cette rue, ça doit être plus loin par là-bas. Non, c'est pas un garde. Ah, mais genre... Allez, allez-y, repérez-moi tout votre soul si ça vous fait plaisir. Je m'en fous, je me suis barré. Haha, dans vos faces. Ouais, faut vraiment que j'aille plus calmement. Bon, je suis au bon endroit. Ou punaise. Mais c'est que c'est grand ici. Pff, mais ce hub, je sens qu'il va finir par me rendre dingue. Bon. Faut que j'aille par là-bas. Délaisser les grandes rues trop bien éclairées et puis on va improviser. Le mieux serait que je puisse gagner les toits et voilà, peut-être une bonne occasion pour cela. Ah, j'ai eu peur. D'accord.
de Rorke. La grisaille est partout. Admire l'aube. J'ai encore oublié de remettre le son pendant un certain temps. Bon, vous en faites pas, vous avez rien manqué de transcendant. Allez. Et si vous trouvez qu'il y a des petits coupages dans la... Bon, des petites interruptions dans la vidéo, c'est normal, j'ai dû m'absenter à plusieurs occasions au cours de tournage. Pour diverses raisons. Maintenant, je voulais que tu sortes. Bon sang, bonsoir. Mais c'est vrai que... Je vais crever. Vite. Le temps qu'on doit passer à se balader dans ce hub est un petit peu abusé. Ah mais attendez, ça mène à nulle part ici. Oh oh. C'est vraiment, vraiment pas passé long. Il faut vraiment que je dorme. Et j'ai encore vraiment du mal à comprendre correctement cette maudite carte. Oula. Calme, foutu cabot. Je donnerai cher pour le café. Parce
Personne ne semble regarder dans ma direction. Allons-y vite. Porte fermée. Je suis complètement paumé, moi, là, sérieusement. Rien que pour trouver son chemin, c'est la galère. Je crois que je suis juste là où je voulais être. Impec. Je n'ai plus qu'à continuer par là. Mais... attendez, attendez. M'avoir dit qu'il était là. C'était peut-être le point d'entrée qui me permet cette zone. Bon. Punaise. Oh oh. Ça va être coton. Ça s'annonce très coton. Attendez. Très, le problème c'est qu'elle me dit que c'est possible de virer à nouveau après. On va tenter. La moulière la plus parfumée de tout ce qu'il market. Je dois encore avoir son odeur sur moi. Très, punaise. Non, ça pue le cul-de-sac. Oh oh. Là, il y a une échelle qui me permettra de monter.
Allez. Comme d'habitude, on en profite pour récupérer un petit peu de butin en plus. Parce que du butin, après tout, on en aura jamais trop. La moulière la plus parfumée de tout Skin Market. Parfait. Je dois encore avoir son odeur sur moi. On avance. Lentement mais sûrement on avance. Je viens de m'envoyer la petite Polly à Je viens de le dire. La moulière la plus parfumée de tout Skin Market. Je dois encore avoir son odeur sur moi. T'as de la chance, fumier. Je suis sur la liste d'attente depuis deux mois. Tu as quelque chose de chance. Il reste plus la sueur et la vie. Tiens. Je viens de m'envoyer la petite polyadeur. J'ai tenté d'aller voir ce qu'il y a ici. Apparemment rien. Bon, allez, on va prendre deux secondes. Mais... Zarzan, tu ne peux pas sauter cette distance. Attends, j'ai du mal à le croire, donc on va refaire un essai. Voilà, c'est mieux. Dieu au tombeau. Oui, désolé, je vois une fenêtre. J'ai du mal à résister à l'envie d'aller cambrioler. Charmant. Oh, coffre. Mais tout le problème est que... Je crois pas avoir la combinaison. La pisse. Je viens de m'envoyer la petite polyadeur. La moulière la plus parfumée de tout Skin Market. Petite bouteille. J'ai peut-être une idée. Un document. Dans Stone Market. Voilà. À droite 4. Attends, à droite, à gauche. 29. Attendez. Si c'est ça, j'en ai au final pas la moindre idée. On va essayer un peu. Je sais pas la moindre idée de ce que c'est, ça se trouve c'est pas ça. Son parfum de l'étranger. Que... Dans sa chambre à Skin Market, ça sent comme un jardin exotique. Tant pis. Ça doit valoir une fortune. Et puis il y a des problèmes à ce niveau-là quand même. Vite, vite. On dépêche de descendre et de remonter. Allez, maintenant, tout droit vers l'objectif. Condition que... Putain.
fait, je suis un peu remonté pour rien. Il faut que je redescende vite. Mais. Mais merde, il y a son pote qui est arrivé. Ouais, je vois ce que je dois faire. Tu as quelque chose de changé. Attends, ça y est. T'empestes plus la sueur et la pisse. Je viens de m'envoyer la petite Polly Adler, la moulière la plus parfaite. C'était pas un renard. Et merde. Putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est dans le même camp, mon emmerdeur. Vous allez me foutre la perte, c'est 4, oui ou zut. C'est quoi, bon, que je bosse pour leur chef, ils peuvent pas me lâcher. Muren savait se faire respecter. Les nouveaux valent pas un breu. Oh là là. Putain, mais si je passais plutôt par là, en fait, ça serait petit pas vachement mieux. Il faut que tu me planques. J'ai apporté l'approche de Bertha chez Oxart Perry. Hein? Mais pourquoi? Attends, c'est pas le pire. Je me suis arrêté dans une ruelle pour pisser un coup, et je l'ai fait tomber dans les égouts. Je croise les doigts pour que tu attrapes la grisaille avant qu'elle la prenne, mon vieux. Tu as quelque chose de changé. Attends, ça y est. T'empestes plus la sueur et la pisse. Vite, vite. Je viens de m'envoyer la petite Polly Adler, la moulière la plus parfumée de tout ce qu'il marque. C'est juste là-bas. Je dois encore avoir son odeur sur moi. On y est presque. Et Bassos, tu me payeras le fait de m'être obligé, de m'avoir obligé à venir d'aussi loin. Je viens de m'envoyer la petite Polly Adler, la moulière la plus parfumée de tout ce qu'il marquette. Je dois encore avoir son odeur sur moi. T'as de la chance, fumier. Je suis sur la liste d'attente depuis 2 mois. Puis j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai entendu ça. Un marin que je connais m'a raconté. J'y suis. S'il n'y a pas de garde, apparemment. Enfin, punaise, rien que pour tailler la route, ça n'a pas été évident. Tu ressembles presque à un humain, Basso. Si tu survis à ce qu'ils servent ici, tu peux survivre à n'importe quoi. Et ta main? Sensible. Comme ta fierté, je parie. Sans le sou. Cette boule de merde mérite ce qui va lui arriver. J'ai besoin d'un service. T'as toujours ton bateau? Oh, à ta place, je me prendrais plutôt une chambre. Trouve-toi une femme, un bon lit et rester sous la couette jusqu'à l'apocalypse. Il faut que je fasse quelques recherches. À propos des rimes. Accepteriez-vous d'aider un artiste en difficulté? Je dois me rendre à l'asile de Moira. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Je serai là. Je serai un fumiste sans le sou. Ce sont les pires. Je peux satisfaire vos besoins les moins avouables. Bon, rien de nouveau, et de toute façon... Quelqu'un regardait ça tout à l'heure. Il te faut quelque chose? Pourtant, j'ai pas tant de trucs que ça, sauf que, attendez, avoir la carte... Ouais, bah allons voir Bassos.
Si tu cherches à te faire un peu d'argent, j'ai des petits boulots à te proposer. Les meilleurs contrats de la cité. Bon, allez, on va tout prendre. On peut dire que t'as des maillotches. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Accepteriez-vous? Il faut qu'on rattrape le temps perdu, Garrett. Autour d'une pinte. Peut-être même que j'offrirai la première tournée. Toi, on peut dire que t'as des maillotches. Quelque chose pour vous. Accepteriez-vous d'aider? Il faut qu'on rattrape le temps perdu, Garrett. Autour d'une pinte. Peut-être même que j'offrirai la première tournée. Ça devrait te poser aucun problème. T'aimes les défis, pas vrai? Fais attention à toi, Garrett. Allez, maintenant je ne manque pas de contrat. Et on va aller se lancer la quête principale. La vidéo sera pas trop longue parce que j'ai déjà pas mal crapahuté, comme j'ai déjà dit, pour arriver jusque là. Alors le bateau, ah, ça doit être ça. C'est parti pour déjà le chapitre 5, bon sang. Ah, prêt à partir? Je me souviens pourquoi je déteste les bateaux. Ah ouais? Ben moi je déteste encore plus nager à leur embarque. Non, je prends les rames. Tu payais aussi bien que moi je danse. Bien sûr. Ça te fera du bien un peu d'exercice. Ça sent pas bon cette affaire. Et c'est quoi le rapport entre Erin et Moira? Tu crois aux fantômes? Hein? Les esprits. Tu sais, les morts qui reviennent hanter les vivants pour les punir. Tu penses qu'Erin revient te hanter? Je sais pas, peut-être. Je me souviens d'un rituel. Il y a eu comme une explosion. Erin est morte. Je l'oublierai jamais. Et tout le reste... envolé. Oh, allez, Garrett. Je sais que t'aurais jamais mis cette fille en danger. Ça, elle savait très bien le faire sans ton aide. Il y a une réponse qui m'attend là-bas, j'en suis sûr. C'est beaucoup trop calme ici, depuis que ça a tourné à l'émeute. Il y a eu des évadés, des bateaux qui arrivent sans jamais repartir. Garrett! Je sais pas ce que tu espères trouver là-dedans, mais fais attention. Je voudrais pas que tu deviennes un fantôme. J'ai toujours été un fantôme. Fait belle lurette. Ça, c'est pas vrai. Sale réputation. Est-ce que je suis sûr de te trouver là-bas? Allons-y. Juste quand on va pouvoir se débarrasser de ce monnage, ça fait un peu moche, je trouve.
introduire dans l'asile. Je sens que quelque chose va foirer. Là, il y a une trace. Soit c'est un bug du jeu, soit c'était fait volontairement pour faire comprendre que Sinoir était là depuis longtemps. Et cette dernière option, ça sera vraiment pinaillé, je trouve. Ok, je n'aime que très médiocrement, c'est pour lui. Tu es Garrett, le maître voleur, le master thief. Tu devrais pas avoir peur du nom. D'accord. Quelqu'un attend ma visite, on dirait. Ouais. Ça vous donne dans le survival horror quand même. Si Erin était là, alors commençons par le pavillon des femmes. Que visite aujourd'hui, oui, le seigneur Abercrombie, ça c'est un nom, a reçu son protecteur. Aucun avis. Dans cet asile, on trouve toujours des trucs à voler. Si ça c'est pas merveilleux. Et j'ai un mauvais pressentiment, cela dit. Ah non, j'ai pas envie que tu épies, j'ai envie que tu ouvres ces tiroirs et qu'on prenne le butin. Et si le butin pour le moment. Ah putain. C'est plutôt avare. Ah, enfin quelque chose. Celui des hommes, l'autre celui des femmes. Quand c'est pareil, il faut éviter celui des hommes. Étant donné que c'est logiquement celui des femmes que je trouverais ce qui m'intéresse. Donc quand c'est par fouiller l'autre. Attends, le système de crochage est plutôt bien foutu, je trouve. Je ne peux m'intéresser par l'état et livrer sous Omnia. Ouais, nombreuses aberrations et fractures, patient drogué inconscient. Ok, c'est de Erin qu'il est question apparemment. Le bouquin qu'il y avait à l'étage supérieur, je suppose que. Vaut rien, ouais, apparemment oui. C'est ici.
On va commencer par fouiller cet endroit-là. La recherche de butin. Donc oui, il y a encore beaucoup d'ouvertures de tiroirs. Que voulez-vous ? C'est le jeu. Un peu trop. Pas comment tenir sur ce bruit. On va garder le truc fermé. Ici, je suppose que c'est le truc qui assure la correspondance. Arrête à tout hasard. Voyons des flèches pour tuer. À se faufiler. Non. C'est pas la même. Et donc il y aurait un truc permettant de communiquer, de faire le lien entre les douches des hommes. Enfin, et le bâtiment des femmes. Enfin, à partir de là, prudence. Ça se trouve, ce n'est strictement rien. Allons voir à tout hasard. Wow. Commence à faire dans l'aurore. Putain, mais sérieusement, j'ai l'impression de jouer à comment ça s'appelle déjà ce jeu, à plus personne. L'impression de jouer à ce jeu d'horreur où on a une caméra. Tu as vu quel pilote avait joué? Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est mon genre de patient. S'est emparé de la clé, il faudra voler au voleur. Je ne sais même pas de quel genre de clé il parle. Ça, je pense qu'il faudrait que j'aille au bâtiment des femmes. Je vais peut-être y aller d'ailleurs, parce que d'après ce que j'ai compris, au bout d'un moment, il faudra que j'aille dans le bâtiment des hommes de toute façon.
j'avance, plus je tiens quelque chose à foirer. Plus j'en entends, moins j'aime ça. D'abord finir de fouiller le bâtiment des femmes, en des hommes je veux dire, ensuite on ira au bâtiment des femmes. Point barre. Je vais pas commencer à m'effrayer pour 2-3 trucs comme ça. Je veux dire merde à la fin. Je finirai par là. Femmes étaient sorties fermées apparemment. Ouais, je suppose. Bruit de machinerie et rien d'autre. Et que... Oh putain, allez, oui. Ils pourraient faire des jeux de survival horror. Enfin, à mon avis, ils ont les capacités pour les salopards. Parce que là, je stresse, honnêtement. Ça, je suppose que vous l'aviez compris à cause de ma voix. Ok. Ouais, ça m'a pas tué apparemment, ça m'a juste enlevé de la vie. Très bien, donc quand l'air ondule comme ça, vaut mieux pas rester dedans, je m'en doutais, mais j'ai hésité un tout petit peu trop longtemps. Bon. Remarque, c'est presque positif parce que maintenant que j'ai vu le truc que... Il s'est passé quelque chose tout simplement.
Parce que jusqu'à là, depuis que je suis rentré en asile, il s'est rien passé. Maintenant qu'il s'est passé quelque chose, je me sens comme rassuré. Pas vraiment normal ici. Encore une saleté en approche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hein? Du pavillon des femmes, hein. Caché doit être dévoilé, non? C'est bon, maintenant j'en suis sûr. Carrette, tu es en train de devenir fou. C'est quoi? Courons. Hors de cet asile d'aliénés. J'avais pas fouillé ici. Apparemment non. Gère la maison des pivots en recrute. Pas très sympa ça. C'est parti pour le pavillon des femmes. Apparemment, Quinta, à un moment X ou Y, était transféré au pavillon des hommes. Donc. Je ne sais trop peu penser. Ah, on prépare les flèches de feu au cas où. C'est les verrous du baron. Qu'est-ce qui lui tient tant à cœur dans un asile? Ah, ça en revanche. C'est vrai que j'avais pas fait le lien.
Attends. Quoi ça? Il y a du sang. Pour l'expérience, notre époque. C'est quoi ce truc? La danseuse là, pour aller tourmenter la linguiste. Non, je vais pas faire l'erreur de lui balancer une flèche. L'enfoiré s'amuse à jouer avec mes nerfs. Peut-être plus d'informations dans des archives médicales. Celle-là. Rine, où es-tu, petite? Bon, ben, elle n'a pas daigné apparaître. En chaleur et froid, bon. Des spécificités médicales, je suppose. Par les sept putains d'enfer.
sais que ça va sonner comme une obviouserie à vos oreilles, mais quelque chose ne tourne pas rond dans cet asile. Mais pas rond du tout. Et ok, vous pourrez me dire évidemment que c'est un asile, mais bon. Mais qu'après, un asile c'est pas... Allez vous faire foutre avec vos petites lumières ou vous faites muse. Moi je peux pas rentrer là-dedans par là, moi, non. Et voir, il n'y avait pas un d'aération. Non, tant pis. Bon, je m'attends à tout là. À tout parce que j'ai pas la moindre idée de quand est-ce que ça peut me tomber sur le coin de la figure. C'est un peu tout le principe. En tout cas, il n'y a plus aucun pensionnaire dans cet asile. Wow! Rectification. Il y a encore des pensionnaires. Ils n'ont pas l'air du genre docile. Depuis un certain temps, tout semblait aller de mal en pis dans cet hôpital. Voilà qui est intéressant. Alors du coup, quand elle n'est pas sous sédatif et allure, en parlant des milliers de voix qui la harcèlent, si violemment que l'on le voit tripler ses sangles, souvent elle crie à quelqu'un de se rayer, pour savoir à qui elle pense. Je commence à suspecter le temps que va prendre le scénario. Et c'est vrai que... Quelqu'un pour aller servir du vin à Edwina? Elle a assez attendu comme ça. Ouais. Je commence à avoir quelques vagues idées. Réussi à accéder à la salle à manger des hommes. Enfin bon, détail. Sans rendre importance du reste.